Alors ici, on est en Vendée. C'est une petite commune, Givran, qui touche Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a en partie habitable 150 mètres carrés. Un grand séjour, salon, cuisine aménagée de 80 mètres carrés. Trois chambres, dont une avec une petite suite, on va dire un dressing et une salle de bain. Et pour les deux autres chambres, il y a également une deuxième salle de bain et des WC. On entre directement dans la maison, il n'y a pas d'entrée séparée. On a une partie après annexe qui fait toute la longueur de la maison sur en gros 5 mètres de large, qui fait à peu près 70 mètres carrés de garage, cellier, atelier, abri pour ranger le bois pour le poêle, etc. Et puis on a voulu que ce soit bien clair, on voulait des grandes portes-fenêtres, ce qui a été fait sur le volume principal, avec deux terrasses séparées. Et on voulait une grande pièce pour notre salon. On a un mur de refend qui monte jusqu'à un peu plus de 4 mètres de hauteur, ce qui donne cette impression de volume, alors que tout le reste est à hauteur de 2,50 m. Et ce qui leur a permis aussi de tester, notamment en couverture, ce qu'on appelle la couverture une pente avec du joint debout. On a de très bonnes relations avec le conducteur de travaux et ça s'est tout bien enclenché par tous les corps d'État et on a eu la remise des clés fin avril 2018.